Bonjour, je vais vous parler de la nouvelle lune du 7 novembre. Une nouvelle lune, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est le rendez-vous nouvelle lune, le rendez-vous pleine lune. Là, c'est la nouvelle lune du 7 novembre. C'est une conjonction, on est sur Terre, on regarde ce qui se passe dans le ciel, et puis on réalise que le soleil et la lune sont pile dans le même axe, donc ça en rajoute une couche. Une influence qui du soleil ou une influence de n'importe quelle planète, elle a déjà un sens, mais quand vous mettez les deux d'un coup, c'est double effet qui se coule, on en prend deux fois plus. Alors la nouvelle lune, c'est le démarrage d'un nouveau cycle de 28 jours, c'est une amorce de nouveauté, c'est une amorce d'un mélange d'inspiration et prise de conscience, soleil, prise de conscience, lune, inspiration ressentie. Ce mixte de cycles nouveaux est toujours intéressant à observer, à analyser, parce que ça ouvre des perspectives. Lorsqu'on a envie de démarrer un projet, lorsqu'on a envie de faire le point, lorsqu'on a envie de passer à autre chose, les nouvelles lunes, c'est pas mal. Ça fait longtemps qu'on observe les nouvelles lunes et ça a toujours une incidence un peu porteuse. Donc celle-ci, celle qui se passe, elle se passe très précisément à 15 degrés du signe du scorpion. Donc il y a ceux qui vont être touchés, pas de façon idéale parce qu'un peu trop sollicités, et ceux qui vont en bénéficier, c'est toujours la même histoire. Il y a ceux qui prennent sur le dos et il y a ceux qui en tirent le meilleur parti. Alors, ceux qui prennent sur le coin du nez, c'est un peu toujours les mêmes en ce moment, à savoir mes scorpions, parce que la nouvelle lune, elle s'est fait chez eux. Donc c'est créatif, en même temps c'est secouant, c'est mobilisant. Ce sont en opposition les taureaux, où eux, deux fois en même temps, deux planètes en opposition. Attention aux humeurs, surtout chez le taureau gouverné par la lune et Vénus, les humeurs qui sont assez variables. Amis taureaux, pour cette lune, pour cette nouvelle lune-là, soyez extrêmement vigilant à maîtriser vos humeurs, vos ressentis, vos imprégnations dans les situations où on va vous solliciter, vous chercher, vous taquiner. Fuyez tous les rapports de force, évitez de prendre position de façon trop ferme, trop tranchée, avec de l'affectif à fleur de peau. Si vous sentez que la moutarde vous montonnez, que la mayonnaise prend pas, vous décrochez tout de suite, vous allez gagner un temps fou. On attend 48 heures, ça ira beaucoup mieux. Vous êtes en première ligne. Aussi, les deux qui sont toujours en carré, il y a une opposition, donc il y a aussi ce qu'on appelle les carrés, c'est une demi-opposition. Les Verseaux, prudence aussi, et les Lions, faites gaffe aussi. Voilà, les quatre qui sont concernés par cette nouvelle lune. Après, il y a tous ceux qui bénéficient du bel aspect. Eux, c'est du pain béni. À commencer par les Poissons, parce que en plus, cerise sur le gâteau, en ce moment, il y a Neptune, enfin, Neptune, il y a pour un bout de temps, mais Neptune est en Poissons, avec cet apport de nouvelle lune, vous êtes dans une période extrêmement féconde, extrêmement productive, d'inspiration, de ressenti, d'émotions qui débordent à fleur de peau, sur le plan amoureux, sur le plan affectif. On ne saurait espérer meilleur climat pour aller dans le sens du courant, dans le sens du vent, pour être dans quelque chose de porteur qui vous réussit. On ne peut pas espérer mieux. Voilà. Après, il y a les Cancers, où des deux côtés, vous recevez des aspects fort sympathiques et fort enviables. C'est le moment d'avancer, c'est le moment d'exprimer vos ressentis que vous regardez parfois un peu trop au fond de vous. Lâchez-vous, c'est quasiment thérapeutique. Là, il faut remonter les émotions au conscient en les formulant par des mots, c'est le principe de la psychanalyse. Allez-y, exprimez-vous, lâchez ce que vous avez sur le cœur, vous allez vous sentir beaucoup mieux, puis le climat s'y prête idéalement. Les Capricornes, c'est pas mal non plus par un jeu de ce qu'on appelle le sextile. Les Vierges, c'est pas mal non plus par le même jeu de sextile de l'autre côté. Ça fait pas mal qu'ils sont gâtés. Après, il y a des signes qui sont neutres. Alors, je vais peut-être pas parler de tout le monde, parce que cette pleine lune, elle touche des axes, et puis il y a des angles morts, quoi. Il y a des endroits où personne n'est concerné, l'aspect est neutre. Alors, quand on a un ciel d'une totale neutralité, il ne sera jamais d'une totale neutralité, mais pas concerné par la nouvelle lune en question, et ben le libre arbitre est à son maximum. C'est une phase dont il faut profiter naturellement, sans chercher, voire plus loin sur le plan planétaire. Ce dont je n'ai pas parlé, là j'en ai parlé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il m'en manque 4. Bon, vous êtes en vacances, mais rassurez-vous, la prochaine nouvelle lune, la prochaine pleine lune, elle se fera dans l'axe de tout ce dont je n'ai pas parlé, parce que le mois prochain, ça va être votre tour. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, et puis restez en contact, hein, cliquez, abonnez-vous, machin, parce que des nouvelles lunes et des pleines lunes, je vais en avoir un paquet, et à chaque fois, c'est un truc nouveau qui vous attend. Allez, ciao, 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 ciao.